Globule Radio, 90.5 FM. Mon choix pour vous, et pour toi, et pour vous. Suivez les guides. Ce jeudi 4 avril signe la troisième journée du Festival Une, organisé par le Zouz Collective. Alors c'est quoi le Zouz Collective et surtout c'est quoi le Festival Une? En tout, ce sont 7 jours de discussion et de partage dédiés au féminisme, à la remise en question des inégalités et des discriminations basées sur le genre. Une journée, une thématique, et ce jeudi 4 avril, c'est nos alliés les hommes. Vous l'aurez compris, messieurs, vous êtes les bienvenus. Et la journée commence sur Globule Radio, oui, avec la diffusion d'un podcast enregistré avec les lycéens de Frison Roche, réalisé par Constant Léon, fondateur de Jouir Podcast. Le matin également, rendez-vous au Plan B pour un atelier de Qigong sur le thème « Consentir ou ne pas consentir » avec Emmanuel Savio de Souffle et Métamorphose. C'est sur inscription et à prix libre. Entre midi et deux, place à l'écriture, venez participer à un atelier créatif et féministe à la librairie Landru avec Charlène d'Ambreville, libraire. Prochain rendez-vous de la journée à 18h pour une table ronde autour de la question « Quelle place pour les hommes dans les mouvements féministes ?» Une question importante et qui divise aujourd'hui. La table ronde est animée par Noëlla Bugny-Dubois, fondatrice de la page Instagram « Nos alliés les hommes ». Elle sera suivie à 20h par un cercle d'écoute pour les hommes en non-mixité choisie, encore une fois animée par Noëlla Bugny-Dubois. Rendez-vous au Plan B pour y participer. Vous l'aurez compris, messieurs, ce jeudi 4 avril au Festival Une, on parle de vous, de nous aussi, certes, les femmes, mais surtout avec vous. Globule Radio, 90.5 FM.